ce Poppy Playtime. Donc, j'ai hâte de parler et c'est parti! Nous allons découvrir le chapitre 2, évidemment. Puis, je suis très excité. Parce que j'avais fait la première partie un moment, mais c'est tout. Playtime Co.'s new patented elastic plastic, you can stretch, pull, and twist Mommy Longlegs in the craziest ways. She loves watching you play. When you're having fun, she's having fun. The new Mommy Longlegs from Playtime Co. What's the time? Très excité de commencer le nouveau chapitre, puis nous allons découvrir au fil et à mesure. Donc la dernière fois nous avons nous étions rendus juste ici, une genre de poupée nous avait attaqué, puis là maintenant, oula le jeu. Ok. Puis bon, voilà c'est le même. Donc on va continuer, écoutez, j'imagine que c'est pas là qu'il faut aller. Ça c'est une bibliothèque. Oh, ça la dernière fois, il y avait ça devant ça. Qu'est-ce que... Voilà. Oh, 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 oh. Yes, nous sommes de retour dans le zen. C'est trop cool ça. Wow. J'aurais peur en vrai, j'aurais peur. Ça nous tombe sur la tête. Où ça? Où ça? This way. Il est où qu'il est ici quand même? Il a surtout pris cher. Ok, nice. Ok, ça s'est barré. Par là. Popé. Ok, keep going. Preuve. J'ai deviné qu'il y avait un truc là. Je l'ai pris, puis. Incroyable. Bon. Y'a tout ça dans le premier chapitre? Je crois pas. Non, je crois pas. Does someone need a hug? No. Give me a big squeeze. No. I promise I won't bite. No. Come closer, friend. No. I'll squeeze you until you... Je pensais qu'il y avait quelque chose qui allait me tourner dessus, bordel de merde. Bon, ça déjà, ça c'est bien, on peut bouger ça. Et on... Ok, on peut faire avec toutes les tonneaux. Ok, nice. Ah, mais j'imagine qu'on peut ouvrir cette porte-là. On peut le faire avec toutes les tonneaux. C'est quoi ça?
une genre de clé. Ah ouais, c'est une clé. Clé. Ok. Puis y'a ça quoi? To switch between the item and trophy. Ok. Je sais pas à quoi ça sert. Ah mais c'est peut-être pour la porte là-bas. Ah oui. Sa base, mais bon, c'est correct. Ok. Ah, elle. Ok, nice. Cassette brune. Nice. J'adore écouter des petits films. Playtime Co. is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig. Divorced, but a family man at heart. His sights were always set on bringing amazing toys to amazing children around the globe. Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime relentlessly in an attempt to continuously innovate and surprise. In the 1960s, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest. But with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his vision for the Playtime Co. toy factory. Ludwig could never be content leaving a project unfinished. But just how did one man come to create such an astounding empire? How did he manage to stay determined even after suffering such a tragic loss? It all began in the fateful year of 19... On n'a pas pu savoir le reste en vrai. Donc j'imagine qu'il y aura des petits secrets à nous dire ce jeu, donc on va continuer puis nous verrons au fil et à mesure. C'est parti. J'ai pas la main jaune, j'ai la main bleue, mais... Et j'ai la main rouge, ok. Ok. Eh bah... T'es pas où le faire ça, mais ok. Et j'ai une graine dans l'œil. T'as vu, voilà, c'est bon. Nice. I didn't mean to scare you. I'm just trying to get the power back on. Here. Merci. Depuis quand que des choses de même m'aident. I wanted to thank you for freeing me. T'inquiète. I was stuck in there for so long. En passant, c'était pas voulu ce que j'avais fait. I'd like to pay you back. There's a train station nearby. It needs a code, and I have it. We're gonna get out of here. As soon as you get on up here. Ça me gratte un peu. Peut-être que c'est un jeu d'horreur, puis... Hey, I'm up here. I see you. I should be able to follow you through the vents. This way. This way, je peux pas passer. Mais bon. Mais c'est vrai, on peut aller par là. C'est là qu'on a accès le coin. Oh putain de bordel, comment ça... Eh, ça je comprends pas. Comment ça il y a des enfants qui pouvaient passer par là? Ah, ce qu'on voit c'est très bien abandonné. Hein. Même que ça a commencé à s'effondrer. Tellement que... Merde. Oh, qu'est-ce que c'est beau, j'étais...
récemment le découvrir. Listen, I'm going to need you to trust me. Bon. Bah, truth. Je suis capable d'aller à quelque part d'autre. Game Station. Elle nous a dit non, on peut pas aller par là. Bah, je comprends pas alors. Projection. And research. Les recherches, ok. Ok, mais ça a vraiment dégradé à un point énorme quand même ce bâtiment. Waouh. Non, mais c'est incroyable quand même. Oh merde! Oh merde! Il est tombé! Merde! T'as pas voulu! Ah, mais je suis pas mort! What? Ok, je suis en dessous là. Elliot Looting. Ici nous avons Lead Pierre. Stella Grey Bear. Ok. Ok, ça c'est quoi? Ça c'est rien. Game Station. Mais je peux aller là-bas moi. Mais comment tu veux que j'y aille? Oh, ok, peut-être en alimentant, ouais, c'est ça, que okay. Je suis le fer, parfait. Faut que je l'aille. What? Ah, ok, il y a ça, ok. On a juste à prendre bien. Ah non, ça marche pas. Ce tuyau a l'air assez clair pour te dire des affaires. Ok, j'imagine que si je me trompe pas, parce que lui, si je le prends ici, ça va me faire tout recommencer. Ouh, il y en avait un aussi là. Je suis bloqué. Mais je suis bloqué. Mais je suis bloqué. Bloqué. Hey, je vous le jure, je suis bloqué. Je peux rien faire. Bon, il suffit juste de restarter le jeu alors. Nice. Bon. Ok, au moins j'ai pas respawn derrière en haut. Bon, on va essayer de popogner le genre de bug que j'ai trouvé. Ça serait chiant de encore recommencer. Attends, là, j'ai une théorie. Je suis calme, ouais, c'est ça. C'est bien ce que j'avais en tête. Moi je me suis pas fait rebugger. Ok, bon. Non, on va faire ça. Ok, non, pas comme ça. Comme ça peut-être. Puis comment je sais pour aller là-bas. Jusqu'à l'avoir comme ça. Là-bas. C'est bien dégradé au... On voit. Bon. Ah oui, ça va être le... Isn't this exciting, Bobby?
Mom. Mommy heard that Miss Poppy was going to just give you the train code to escape. Now, how is that fun? Instead, why don't we make a game out of it? The game station is still working. It will be just like old times. And if you win all three games, I'll give you the train code. Mommy loves that idea, Poppy. Oh, you're going to have so much fun. Head to Musical Memory, and Mommy will get things started. Obey the rules, or I'll tear you apart and eat your insides while you're still alive. Damn. Damn, ça c'est de la menace. Ça c'est de la menace. Elle va me bouffer l'intérieur. Même quand je vais être mort. Ok, bon. Bah, j'ai pas eu besoin de faire ça. C'est le troisième que je croise avec énormément de sang. Bon, playtime. Ok, donc ça c'est toute la petite famille. Ok, nous avons eu lui en premier, maintenant nous avons elle. Et nous avons elle. Ok. Nice. On ira checker au fur et à mesure qui nous, a, nous avons eu parce que je sens que même beaucoup de personnes. Je sais pas. Un peu de tout. Bon, ouais. Un message là. Bon, en tout cas. On essaiera de faire une théorie sur les messages qui disent tous les personnages. Et pourquoi il y a ce genre de grésillement, je sabrais. Ok, bon, on va faire lui. Preparing for departure. 3, 2, 1. Comme je disais, à peu près toutes les petites trucs de même, ils ont toutes des voix un peu pétées vers la fin quand tu spammes trop avec le bouton. Hi kids, welcome to the game station. I'm Stella, and we've got three super duper fun games to play. These little tests show us just how crazy strong and smart you are. Follow Mommy Longlegs down the stairs, and we'll start by playing Musical Memory. See you in a bit. Okay, nice. Okay, Musical Memory. Qu'est-ce que vous voulez? On va peut-être avoir des nouveaux personnages, en plus de ça. Ok, on peut pas y aller. Non. Bon, bah, on va aller par là. On peut pas rentrer là-dedans.
Bah, je peux tu aller par là? Ouais, nice. Wow. Ah, c'est bon. Molding room. Pour faire quoi dans le fond ça? Ah, c'est pour te refaire des mains. Ok, nice. Je pourrais avoir une nouvelle main. Je peux-tu l'avoir rouge? Comme l'autre? Oh, c'est quoi hier? C'est pété. Comment on répare? Jusqu'à le réparer? Non? Non? T'as ça avec notre main? La peinture. Oh non, ça va être du vert. Oh non. Ah, no paint. Ok. Gaspille de main en fait. Bon, ok. On va écouter comme Oh, ça nous explique comment faire. Comment fonctionne. Trop nice. Ok, ça absorbe l'électricité, nice. Je dois demander beaucoup. Oh nice, je peux aller là.
arrive, ok. Juste bien noir, bien profond. Ok, bon. I know when your birthday is! June 28th! Non, c'est pas ça. Ah ah, troll. Ah, dans le fond, c'est quoi la veste? Make a wish! Bah non, c'est pas ma fête. Happy birthday! Oh happy birthday! Oh happy happy birthday! Oh happy birthday! Happy birthday to you! I know when your birthday is! Lui, y a pas de gris chemin. Ça c'est très étrange, lui, y a pas de gris chemin. Make a wish! Voilà. Comment se débarrasser de un truc en mode. Oh! Effectivement, j'avais bien raison. Il y avait quelque chose. Welcome to Musical Memory! This advanced memory and cognitive recognition test is designed to stimulate several segments of the brain, allowing us to see how quickly and efficiently your brain works. A sequence of colors will be shown, and you must recreate the exact sequence using the buttons around you. Bunzo will slowly lower towards you. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. When you input a pattern incorrectly, Bunzo will lower towards you faster. If Bunzo reaches you, your test is over. The test will become more difficult as it continues, with longer patterns in quicker succession. That's all. Good luck. Mort.
Les jeux de stress, pas trop mon fort en vrai. Get up, on va go. C'est violent. Bon. Violet. Violet, ok. Violet. 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 White. White orange. Violet green, white orange red. Nice. Round 4. Blue. Blue J. What? To give you part of the code for the train. Look up. Oh boy. Ah, mais où le lapin? Take it. Où le lapin? Mommy was hoping the game could last a little longer. It's okay though. Mommy knows other ways to play with you. Oh merde, ça vient vers moi, non? C'était quoi cette merde? Oh! Nous sommes dans la production, let's go! Bah, faut faire quoi? Il faut trouver un objet là-dedans. Fuck it. Voilà, les objets. C'est abandonné. Il y a encore un million de legs en vente. Ah, c'est le petit lapin, ok. Pourquoi il y en a un blanc? Ok. Wesh. Oh! Oh 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 oh! Ok, déjà de fusionner. C'est quoi ça? PG. Bug. Player et a player, genre de chenille, un chien, chenille. Attends, un qui est pas dans le bol. Ok, t'as vu. Il ressemble à quoi? Je peux-tu voir? Ok, c'est laid. Ça fait peur. Oh my god. Bon, déjà nous avons un deuxième personnage. Ça va aussi nous sauter. Ok.
y a bien quelque chose à faire parce que là il y a un genre de truc là, puis je sais pas qu'à quel point. Bon ben on va s'essayer. Ok, il y a ça. Ah attends, il y a tout un truc vert dessus. Oui, il y en a un. Quelque chose à faire avec cette merde là-bas. On va y fixer. Merde. Bon, on va essayer de récupérer ça. Mais j'imagine qu'on va pouvoir faire ça avec la même chose. Ah mais oui, il y a des rails au plafond. C'est ça, on va pouvoir. On va pouvoir faire la même chose. Ok, pas de problème. Ouais, on va faire ça tout de suite. Ça a été un peu fatigué. Pas bien dormi. Ah, il n'y a pas de rail. On peut pas aller. Okay, ça c'est fait. Ça c'est correct. Ok, une autre étape avec des trucs. Donc, étape. Ça, on peut y aller. Ok,
bon. Ah mais je suis pas capable. Il y a une putain de souris. Attends un peu. Merde. Attends. Deux fois. Ah mais à taper aussi je fais le contraire, je suis capable de faire le contraire. Ouais je suis capable de faire le contraire. Bon. Ah oui ça monte pas, let's go. Ça fait chier ces genres de trucs de même. Faut aller en haut, je me gêne. Ok, bon, il y a une chaise. Je suis capable de l'ôter ? Oui, let's go, on est capable de l'ôter. C'est bug de singe, j'ai l'impression. Non, c'est rien. Ok, bon. Oh il a pas de dos. Mais il fout quoi là? Pas qu'il peut être à son endroit principal. Wouah, il y a de la toile d'araignée partout. Ah c'est là-bas qu'il faut aller, ok. Merde. Je fais quoi? Bon, guys, je crois qu'on va s'arrêter là. On va se donner un petit objectif de 3 likes, et je fais la partie 2. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et vous abonner, ça me ferait un énorme plaisir, et je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, peu importe, tchuss tout le monde.